présente, je suis le docteur Halloui Mohamed Saïd, ophtalmologiste depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai exercé au sein des structures publiques marocaines avant de m'installer dans le privé depuis bientôt 22-23 ans. Je fais beaucoup de chirurgie du segment antérieur et surtout la cataracte, dont j'ai vu l'évolution ici au Maroc, passer de l'intracapsulaire à l'extracapsulaire, à la phaco et actuellement à pratiquement à une chirurgie réfractive de la cataracte. Les attentes des patients ont changé depuis que j'ai commencé à pratiquer l'ophtalmologie. Actuellement, les attentes des patients ne se limitent pas juste à une bonne vision, voire à un 1/10 d'acuité visuelle. Il y a la qualité de la vision qui devient de plus en plus prise en compte et qui devient à la limite primordiale. Les gens s'attendent à voir sans porter de lunettes et avec une vision irréprochable. Avant de parler de l'avenir de ces implants, les attentes de nos patients sont devenues possibles vu la standardisation de la phacoémulsification et vu l'évolution des technologies des implants qui sont actuellement des monofocaux avec torique, des multifocaux et actuellement les derniers nés sont les trifocaux. Ces implants-là sont d'une technologie très complexe et très perfectionnée et permettent une vision de qualité très élevée aux patients qui les mettent. À vrai dire, j'ai mis des multifocaux depuis 7-8 ans et les trifocaux, mon expérience est très réduite et les limitée à quelques patients parce que ce sont des implants qui n'existaient pas au Maroc, qui n'étaient pas disponibles et donc ils ne sont disponibles que depuis environ un an et ce n'est pas l'année où il y a eu la crise de Covid qui a amélioré la situation. Ce sont des implants qu'on met depuis bientôt 2-3 mois. On les a placés chez des patients qui sont entièrement satisfaits. L'acuité visuelle reste de loin à 1/10 sans correction et de près, ils sont à des P3, entre P4 et P3. En ce qui concerne le trio, particulièrement, les gens ne se plaignent pas de la diminution des contrastes ni de l'éblouissement. Chose qui nous a un petit peu étonnés parce que dans les multifocaux et dans les trifocaux, la lumière étant départagée par rapport à un monofocal, il devrait y avoir une baisse des contrastes. Jusqu'à aujourd'hui, les quelques patients, ils sont au nombre de 4 exactement, aucun d'entre eux ne s'est plaint de cette baisse de contraste. On n'a pas eu de contraste, je viens de répondre, les patients ne se sentent pas pleins de contraste. Et en ce qui concerne l'opacification de la capsule, on est dans des temps relativement courts puisqu'on ne met ça que depuis quelques mois. On n'a pas eu d'opacification de la capsule postérieure. Et en plus, la technologie de ces implants qui sont hydrophobes sont réputés pour entraîner très peu d'opacification de capsules postérieures et donc de cataractes secondaires. Je remercie les laboratoires Biotech qui nous ont sollicités pour faire une étude à propos des implants trifocaux ici au Maroc. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait jusque-là par aucun laboratoire pharmaceutique. Je suis heureux de collaborer avec eux et j'espère que notre collaboration ira encore plus loin.